jours où on aimerait vraiment que ça se passe comme ça plus souvent, quoi. Et c'est vrai que revenir comme ça après autant de temps face à une très grande nation du rugby mondial et gagner aujourd'hui, c'est une soirée idéale. Donc on est très content. Voilà, on va savourer ça entre nous maintenant. Il y a un match la semaine prochaine qui va être encore plus dur qui nous attend. Donc malheureusement, on n'a pas le temps de vraiment vraiment jubiler et voilà, il va falloir vite se remettre là-dedans. Mais bon, pour ce soir, on est content quand même. Ceux qui me connaissent savent que c'était assez prévisible. Hein, 5 ans sans jouer, c'était difficile de contenir l'émotion. Maintenant, voilà, c'est assez. Je sais pas si je peux l'expliquer, quoi. C'est venu comme ça. Et c'est surtout pas le principal, quoi. Le principal, c'est qu'on ait gagné, que ça soit bien passé pour nous collectivement et qu'on puisse continuer de construire. On voit que ce sont des équipes qui arrivent en fin de saison, je dirais, et qui sont peut-être un petit peu émoussées par un 4 nations qui est un petit peu plus long que d'habitude, par une saison de Super Rugby qui a été rallongée. Donc on va voir si nous, face à 2 nations qui ont joué le 4 nations, déjà on est capable de rivaliser et puis ensuite on pourra tirer des enseignements sur le défi physique, mais c'est pas fini, quoi. Donc on est content pour ce soir, mais je pense pas que ce soit l'heure des bilans pour se satisfaire de quoi que ce soit.